quand même remonter ce petit. Hop, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Ça me gratte. Je pense que je suis pas assez éclairée. C'est bien comme ça. Ouais. Hey tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Romy. J'avais envie de vous faire un petit Romy assez spécial puisque on est enfin, en tout cas. Aujourd'hui on est le 30, mais peut-être que vous regardez la vidéo quand on est enfin passé au mois de décembre. Ouvrez le bal, c'est parti pour les pyjamas cocooning, les petits chocolats chauds, les plaids, bref la totale, je suis trop contente. Pourtant faut savoir que j'aime pas du tout l'hiver, dans le sens où j'aime pas le froid. Mais il y a quand même un avantage à tout, et moi mon avantage dans l'hiver c'est les pyjamas cocooning. Du coup j'ai reçu des colis comme vous pouvez le voir ici même, il y en a deux, même si vous voyez pas trop celui d'en bas, de la part de Etam. Donc il s'agit bien d'un partenariat avec la marque Etam, mais c'est une marque que j'adore, et en particulier pour les pyjamas en hiver. Et ça tombe bien puisqu'il s'agit d'un unboxing plus essayage des petits pyjamas en hiver, et j'ai choisi des trucs vraiment insolites. Et on va commencer l'unboxing si j'arrive à ouvrir cette grosse boîte. Bon, je pense que je vais vous saouler ce mois-ci, mais je vais vous mettre une petite musique de Noël en attendant que je fasse le déballage des colis. Oh! Ah ouais! Ah! Oh! Mais en fait, dans le carton, il y a des petites boîtes comme ça. Enfin, des petites. Je vais jarter ce carton qui est juste énorme. Etam, bonsoir, coucou! Nickel! On a tout, on a tout! Hello Romane, très heureuse de cette première opération avec toi, donc le partenariat. Ta sélection est canon, j'espère qu'elle te plaira. Gros bisous, Fanny. Merci beaucoup Fanny. Bisous à toi. Je sais que j'ai fait une commande vraiment what the fuck. Je me rappelle plus du tout de qu'est-ce qu'il y a. Ah, attendez, faut que je vous montre. Je sais pas si vous voyez bien. Genre là, c'est des petits chaussons avec des doigts de pied. J'ai oublié que j'avais pris ça. Ah oui, oui, c'est vrai. J'ai cette petite tenue licorne. Donc en fait, c'est une combinaison intégrale comme ça, en moumoute. J'adore. Avec la petite tête de la licorne. Vraiment, elle est ultra douce. Des petites ailes dans le dos. Avec ça, ça va être vraiment parfait. Je pouvais pas rêver mieux. Je trouve ça super drôle parce que ça, c'est vraiment le genre de cadeau que je pourrais faire à Noël. Pour ma part, l'année dernière à Noël, j'avais offert un pyjama à ma mère. Coucou maman si tu passes par là. Et franchement, elle avait kiffé. Je trouve que c'est une super bonne idée de cadeau. En plus de ça, il y en a vraiment pour tous les prix. Et ils font des prix vraiment cool pour Noël. Donc ça, c'est la première tenue. J'ai l'impression d'ouvrir vraiment mon cadeau de Noël. Je suis trop contente. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'avais pris des petites chaussettes comme ça d'Almatien. Les chaussettes, on n'en a jamais assez, et plus c'est ridicule, plus on aime. Ensuite, on a ça. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai trop hâte de l'essayer. En fait, c'est un plaid qui a une forme de queue de sirène. Genre, vous pouvez nager à tout moment. Tuto, comment mettre sa queue de sirène, hein? Tu te mets comme ça. Ah, c'est bien parce que tu peux mettre chaque pied dans la bonne partie de la queue de sirène. Ah, tu peux le remonter jusqu'aux aisselles. Et voilà, tout mon corps est une queue de sirène désormais. Ouh. Là, tu te balances comme ça. Tu ouvres ton ordi. Et c'est parti pour regarder un petit film. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est drôle ça. C'est un petit cerf, c'est... On va l'ouvrir, je ne me rappelle plus du tout. Ah, c'est une espèce de cape. Je me souviens. C'est une espèce de cape en fait, où il y a même les petites mains comme ça. Je vous montre la portée, vous allez comprendre. Parce que là, je ne pense pas que vous visualisez bien la chose. Amine, où es-tu? Mais en tout cas, c'est des super bonnes idées de cadeaux parce que comme vous pouvez le voir, Etam, ça peut être des tenues pour toutes les femmes. Il y a du sexy et il y a du beaucoup moins sexy. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça, c'est vraiment cool. Oh non, le dernier colis. Vous voulez voir ce qu'il y a? Oui, vous voulez voir, je le sais. Regardez-moi ça. Genre, ah, c'est trop bien. Et c'est moi qui l'ai choisi, hein, mais je suis trop contente encore une fois de le découvrir. Du coup, on a un petit dinosaure comme ça. Donc ça, pareil, c'est des petites peluches en plus que vous pouvez offrir à un enfant, même à moi. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez mettre votre pyjama à l'intérieur. Donc oui, c'est au niveau des fesses. Mais franchement, je trouve l'idée super bonne. Et le pyjama, franchement, j'adore. Je vais direct le mettre. Genre, c'est des petits dinosaures comme ça. Ça, pour le coup, c'est un petit peu plus léger. Mais alors, chez moi, il fait pas mal chaud. J'abuse un petit peu sur le chauffage, donc ça sera nickel. Et le petit short comme ça, franchement...
oui, je me souviens aussi de ça. Donc ça, c'est des tongs, mais en moumoute, voilà. Parce que moi, j'adore les tongs en été, je ne porte que ça. Mais en hiver, il fait quand même un petit peu plus froid pour le petit peton. Donc du coup, j'ai pris les petits tongs en moumoute. Et oui, c'est le bon combo, je pense. Trois de me trimballer comme ça et de faire ma queen en tongs moumoute. Pas compte, mais il y a des cartons partout dans mon appartement, ça ne ressemble plus à rien. Pour finir, on a ce petit plaid, c'est pas du tout en plaid. Pour finir, on a ce petit kimono slash, comment on dit déjà, peignoir, c'est ça. En fait, il est entre le sexy et le très confortable. Vous voyez, il est tout doux comme ça. Ce sera nickel, je pense, quand j'aurai un petit peu plus froid le soir et que je voudrais mettre cette tenue. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai trop... Depuis le temps. Ça faisait longtemps que t'étais pas venue sur la chaîne. Bon et bien ça sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé parce que moi franchement j'ai adoré les tenues. Mais ça peut être vraiment une bonne idée de cadeau. Vous offrir des cadeaux assez rigolos comme ça ou alors des trucs un petit peu plus cocooning et tout, vraiment pour faire kiffer les gens. Comme je vous l'ai dit, il y en a vraiment pour tous les budgets. Donc si vous voulez vous trimballer comme moi en licorne avec des chaussons en forme de pied et du vernis à paillettes, n'hésitez pas, sautez sur l'occasion. En tout cas moi j'ai trop hâte d'attendre Noël avec tous ces petits pyjamas. D'ailleurs je dis ça, je dis rien, mais il y a un petit concours qui vous attend sur Instagram. Et il y en aura d'ailleurs tout le mois de décembre. Donc n'hésite pas à aller me suivre si jamais tu veux te faire plaisir et recevoir des cadeaux gratuits. Je vous mets tous les liens dans la description. Comme d'habitude, je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en mois de décembre. Ah, bisous. Merci Tam, grâce à vous, j'ai trouvé un nouveau terrain de jeu pour Bayer et Naya.